Qu'est-ce qu'on fait pour ce soir? Mais je sais même pas si tu viens, si tu viens pas. Ça t'embête que je vienne? Non, mais tu vas t'ennuyer. Et comment rentreras-tu? Demain, par le premier train. Et en attendant le train? Je sais pas, j'irai dans un café. Mais tu vas encore te fatiguer. Faut que je repasse un instant chez moi. Bah moi aussi, faut que je repasse chez moi. Comment tu retournes là-bas? Normal, c'est une façon de te retenir, ça. Mais tu sais, moi aussi, hein, dans ma tête, avoir des enfants, ça me rattachait à la catégorie des gens installés. Là. Terrifiant. Installe-toi, enlève ton manteau. Voilà. C'est grand. Ben oui. On s'assoit? Tu veux voir quelque chose? Non. Alors te voilà rassurée. Mais j'ai jamais été inquiète. Et puis dis donc, t'aurais pas inventé cette histoire de fille uniquement pour me faire marcher? Non, j'ai rien inventé du tout. La fille, je l'ai vue. J'ai vu une fille. Mais non, demain c'est samedi, j'aurai toute la journée pour récupérer. Depuis que je travaille, je sors plus, c'est ça qui m'épuise. J'ai plus de vie à moi. Écoute, n'exagère pas, c'est moi qui pourrais me plaindre. Chaque soir tu rentres à la maison de plus en plus tard, bientôt tu viendras ici uniquement pour dormir.